Bienvenue, bienvenue sur Je suis sur Jinana. C'est Edim, j'espère que vous allez vraiment bien. Je reviens avec cette vidéo dans Flash Info par rapport à cette dame, cette enseignante dont le mari a sauvagement ôté la vie. Voilà, et c'est la suite, voilà. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Si vous l'êtes, alors merci d'être déjà abonné. Partagez la vidéo, voilà. Et il faut qu'on puisse sensibiliser les gens à quitter ces relations abusives. Parce qu'on ne sait jamais le coup fatal, voilà. Et ce qui m'intrigue ici, elle était une bonne femme. Il paraîtrait que le monsieur la tabassait depuis. Le monsieur la tabassait toujours depuis, on lui disait de ne même plus lui répondre pour éviter les problèmes, voilà. Même moi, j'étais dans la bulle, si tu ne réponds pas, ça les énerve aussi plus, donc voilà. Et la manière dont elle a été traitée, est-ce qu'il n'y avait pas quelqu'un là-bas pour la sauver, pour intervenir? Pareil, quand on voulait maintenant l'amener, et il insistait pour la mettre dans sa voiture, le derrière de sa voiture. Qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait en finir à sa vie. Bonne interrogation. Est-ce qu'il est dans quelque chose? Il a voulu carrément sacrifier la dame. Parce que ça n'a même pas de sens. La dame n'aurait rien fait de... C'est quelque chose de banal comme cela. Donc, c'est pas pour quelque chose de grand. Quand moi, je vivais avec Alex, j'ai dû divorcer. Quand je vivais avec lui, le problème, c'est que les gens qui essayaient d'intervenir, j'expliquais tout avec détail pour qu'on puisse comprendre que je n'avais pas tort. Mais ça ne veut rien dire. Tu as tort. Tu as dit, tu ne vas pas avoir tort d'abord avant qu'il ne t'abuse. Parce que c'est de l'abus, c'est de la perversité. Voilà. Et c'est terrible. Donc, partagez là. On a toujours dit cela. Et les femmes continuent pas à perdre leur vie. Et même si vous divorcez ou bien vous vous séparez, c'est pas toujours évident quand vous avez affaire à quelqu'un qui est très manipulateur, très abuseur. Courage à vous, voilà, et condoléances à la famille et pleurer. Ça m'a tellement bouleversée parce que ça m'a rappelé des choses que moi aussi j'ai vécues, voilà. Je reviendrai avec des vidéos carrément, c'est terrible. C'est simplement terrible. Partager cette vidéo. Je reviendrai avec une troisième vidéo pour détailler comment il l'a traité avant, avec le témoignage de l'une de ses amies, comment il l'a traité vraiment. Voilà. Elle a été, pour une histoire banale, et la dame a laissé son enfant qui était à l'hôpital malade. Elle est courue. Elle a même passé l'argent chez son amie. Et elle a laissé l'enfant chez son amie. Elle a couru pour aller faire manger aux enfants qui sont à la maison et à sa belle-maman. Le temps de revenir récupérer l'enfant à l'hôpital, le monsieur, elle ne voit pas l'enfant. On dit que l'ami lui dit que le mari, le papa est venu prendre l'enfant. Elle sort dehors, elle le rejoint. Et dans l'échange, il commence par l'engueuler. Elle ne répond même pas parce qu'on lui a conseillé de ne même plus répondre. Le temps de prendre l'enfant et de retourner, il commence par lui donner des coups, voilà. Et est-ce qu'il n'y avait pas quelqu'un là-bas pour venir, lui venir en secours? Les gens, quand ils se chamaillent, disent « Oh, c'est son mari ». Moi, les gens de l'église m'avaient dit une fois qu'on a peur de t'aider parce qu'on ne sait pas comment ton mari, bon, en ce moment, le mari, comment il va réagir. Vous vous rendez compte? Parce que les gens, c'est comme ça, les Africains. Même vivant ici aux États-Unis, voilà. Donc, c'est terrible. Prenez votre courage à main et vous n'allez pas souffrir plus que ce que vous souffrez. Au moins, si c'est dans une case que vous allez dormir, vous allez dormir, vous allez fermer votre porte, vous allez dormir en paix. Ça dit, c'est terrible. Donc, c'est ça, je veux vous dire. Et le monsieur la tape, fait tout ce qu'il va faire, la traîne par terre. Et la trimballe, veut la mettre dans la voiture, veut la récupérer. Quand les gens ont voulu la sauver, il a commencé par crier que c'est sa femme. Donc, si c'est sa femme, tu as droit, tu es de la tabasser. C'était, et c'est quelqu'un qui l'a légalement épousé. Légalement épousé. Voilà. Donc, c'est terrible. Et ce qui est triste, elle laisse un enfant. C'est vrai, laisse un bébé de 9 mois.